Dessin choisi cette semaine, comme on le fait évidemment à chaque fois dans cette émission, bah c'est un peu aussi une réponse à la question, à la dernière question de Léa Salamé il y a quelques minutes. François Hollande aux Philippines avec Marion Cotillard et Mélanie Laurent. Au moins, on parlera du réchauffement climatique dans Closer, comme ça. Pourquoi ce choix curieux? Un dessin d'Alex dans le courrier Picard. Mais... D'abord parce qu'effectivement, plus on en parle, mieux ça sera. Donc très bien si Closer fait sa une et tous les mois un dossier sur le réchauffement climatique. Donc il a eu raison d'emmener deux comédiennes. Par contre, la façon dont on en a parlé, et c'est vrai que de leur faire lire un discours techno invraisemblable que personne n'a écouté, il fallait mieux qu'elles parlent avec leur trip parce qu'elles sont engagées dans des questions. Il y en a une qui est engagée avec Greenpeace et l'autre, je ne sais pas où, dans quelle association. Mais il fallait parler avec les tripes. L'écologiste, elle doit parler aux gens. Ce n'est pas un discours techno, ce n'est pas punitif, ce n'est pas chiant. Françoise Hardy, justement, revient avec nous au Salon de l'agriculture à travers ce dessin de Pétillon dans Charlie Hebdo. Sauf que c'est le jour où Marine Le Pen visite le Salon de l'agriculture. Et là, on voit un paysan, ou peut-être d'ailleurs un visiteur du salon, qui dit « Finalement, ce qu'on raconte, les bêtes qui sentiraient venir du danger, c'est bidon. Pourquoi ce choix ?» Je ne me rappelle pas. Moi, je vais dire... Ça arrivait en dernier. Quand ça vous a fait rire. Aucun dessin n'avait retenu mon... Enfin, ne m'avait fait rire. Donc, j'ai pris un des derniers qui soit. Et celui-là, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il est plutôt réussi, hein, ce dessin de Pétillon, qui prouve qu'effectivement, les animaux ne sentent pas toujours le danger. Louane, elle nous a choisi aussi un dessin lié au Salon de l'agriculture. Après la fermeture du salon, les animaux ont retrouvé leur habitat naturel. C'est Mouget dans le Canard Enchaîné, c'est drôle. Parfait. C'est de l'humour noir, mais c'est drôle. Vous êtes allé, vous, au Salon de l'agriculture? Non, j'ai pas pu y aller. Mais vous y êtes déjà allé les années précédentes? Non, j'y suis jamais allé. Jamais. Jean-Luc Moreau a choisi ce dessin de faux jour. Le terrorisme relance l'économie française, en tout cas dans les pressings. Depuis deux mois, tout le monde fait dans son froc. Franchement, Jean-Luc. Je trouve ça difficile d'être courageux et c'est vrai qu'on peut avoir... Vous avez peur, vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai peur. Ouais. En jouant au théâtre? Pas au moment où on est sur scène, mais c'est vrai qu'on travaille dans des endroits évidemment, où il y a du public, donc on a peur. Le choix d'Emeric Caron, c'est ce dessin sur la centrale de Fessenheim en panne provisoire. Dépêchez-vous de réparer, il faut redémarrer avant le démantèlement. Évidemment, c'est ironique. Un dessin du Canard Enchaîné. Oui, c'est pour pointer, là encore, la timidité du gouvernement sur ce sujet, même si en plus, ils sont freinés maintenant par les sénateurs en plus qui ont affaibli le projet de loi sur la transition énergétique, en faisant en sorte que finalement, peut-être qu'on n'est même plus sûr qu'on va vraiment la fermer, cette fameuse centrale. C'était quand même la promesse minimale de François Hollande en ce qui concernait la réduction du nucléaire. Et c'est assez ironique de voir qu'en effet, il faut peut-être en terminer définitivement avec cette centrale qui comporte de très nombreux risques et qui prouve chaque année que voilà, le danger, plus on attend, bah, plus il est grand. Vous voulez qu'on profite de la panne, en quelque sorte. Ah oui. Léa Salamé a choisi ce dessin publié par le Midi Libre, un dessin de Mann. Le mondial du Qatar, c'est vrai, aura sûrement lieu en décembre. Et on voit un émir qui dit « Tous ces ouvriers népalais ne seront pas morts pour rien. » On voit même leur crâne dans le sapin. Oui, je l'ai trouvé trash et puis j'avais envie de souligner le travail de ce dessinateur du Midi Libre, Mann. Très bien, je crois que c'est une des premières fois qu'on le voit dans notre émission. Le choix de Fanny Cottençon, un dessin de Mouget pour le Canard Enchaîné. En Irak, un musée des antiquités saccagé par Daesh. Nous sommes pour la culture de masse. On le voit, il l'a encore dans la main d'ailleurs. Un petit commentaire. Ça parle de ça. Ça parle, d'ailleurs, ça va... Parler d'eux-mêmes pour le dessin choisi par Jean Tellet, un dessin de Lacombe publié par Ciné Mensuel. En Irak, les djihadistes donc visitent le musée. T'es con, ça c'est un des nôtres, avec la même masse dans la main d'ailleurs. C'est
ça pouvait être vrai s'ils avaient plus exploser leur gueule de con, tous ces mecs qui ont fait ça. Plutôt que de s'attaquer au statut. Là là, ça m'a choqué, ce truc. Évidemment que toutes les œuvres d'art détruites, ça vaut pas la mort d'une personne. Mais c'est tellement con, c'est tellement inoffensif, une œuvre d'art. Des trucs qui ont été faits il y a 3000 ans, les mecs ont mis toute leur intelligence et tout ça. Et des abrutis sans nom qui détruisent ça. Qu'il faut être con, c'est sans limite. Sur le même sujet, j'ai choisi ce dessin signé Louison pour le journal Marianne. Dèche s'en prend au musée. Bon courage pour me décapiter. Voilà. J'ajoute ce dessin de Delambre pour le Canard enchaîné. Au départemental, le Front National est le favori des sondages. Et on voit deux Français dans un bistrot, l'un qui dit « Pour Marine Le Pen, le Front National n'est ni raciste ni d'extrême droite. » Et l'autre qui dit « Bah alors, pourquoi veux-tu que je vote pour elle alors ?» Et puis un petit dessin hommage, tout mignon, tout gentil, ce dessin publié par Ménégol pour le Figaro.fr. Hommage au dessinateur et au créateur des Barbapapa. Et je crois que c'est d'ailleurs Barbapapa lui-même qui pleure, puisque Barbamama, elle est noire, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc ça doit être... Ah, vous pouvez m'aider là-dessus, Louane. Oui, c'est Barbapapa. Moi, j'ai failli le prendre, ce dessin. Et ben voilà. Ça trop triste. Et ben voilà, hommage au créateur des Barbidules et autres Barbapapa.